Avant, Facebook était qu'un simple réseau social où tu pouvais te faire de nouveaux amis virtuels, puis chatter avec eux ou chatter avec ta famille. Il y a aussi un album photo où tu peux mettre dedans toutes tes photos, puis que tu peux même en partager avec ton entourage sur ton mur Facebook. Tu peux aussi partager des vidéos drôles, partager des vidéos souvenirs, puis tu peux même partager tes points de vue. Ouais. Puis il y a aussi toutes sortes de jeux que tu peux jouer en ligne. Bref, une belle invention Facebook. Mais un jour, une nouvelle menace fait son apparition. Ça va mieux. C'est dégueulasse! Non, mais quel genre de débile profond faut être pour avoir eu l'idée de publier sur Facebook des vidéos chacun de même. Tu sais, des vidéos genre une fille qui se fait enculer par un cheval, ou une araignée qui sort de la jambe de quelqu'un, ou une coquerelle qui vit dans l'oreille de quelqu'un, ou même un doute qui se fait sucer par un putain de poisson! On parle de réseau social ici, pas d'un putain de site de nécrophilie ou de zoophilie ou peu importe, appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Sérieux, qui voudrait voir ça sur Facebook? T'es malsain! Merde! Putain, je vous rappelle qu'il y a des mineurs qui pourraient tomber là-dessus. Non, pas ce genre de mineurs là. Ouais, mineurs dans le genre de moins de 18 ans. Pourriez pas imaginer à quel point ces vidéos pourraient les traumatiser, puis pour longtemps. Sérieux gang là, je vous lance un message très important, une demande à vous autres. Partagez cette vidéo au max, parce que ça a juste plus de bon sens. Je suis vraiment écœuré d'ouvrir mon Facebook, puis de tomber tout le temps sur des vidéos dégueulasses de même. Faut que ça arrête. Facebook, c'est un réseau social, pas un site de vidéos choquantes. Voyons donc. Ben c'est sûr, comme d'habitude, tu peux t'abonner sur ma chaîne ou me retrouver sur Facebook. Ou commenter la vidéo puis la liker. Fait que je vous dis à bientôt puis on se revoit pour une autre vidéo. Ciao! California,